Bonjour les amis, ici Gros Choco Geek, de retour pour les unboxings Candy-san, oui. Grâce à mes tipeurs, nous avons une nouvelle caméra et nous allons faire une nouvelle vidéo et j'espère que tout va bien se passer. Que ce sera très visible. Et on commence tout de suite avec le cutter au minimum. La dernière fois que j'ai reçu un paquet, j'ai pas écouté mon propre conseil et j'ai abîmé quelque chose que j'aurais pas voulu abîmer. C'est-à-dire l'outil... La petite lithographie de la famille de Tev qui nous souhaite une bonne année 2019. Bah tant pis, c'est ma faute, j'avais qu'à suivre mes propres conseils. Mais en attendant, voilà si sur une nouvelle unboxing pour février 2019. Alors. Joyeuse Saint-Valentin. Au Japon, comme dans d'autres pays, le 14 février est marqué par la Saint-Valentin. Contrairement aux pays occidentaux, ce sont les femmes qui offrent un cadeau, non pas uniquement à l'élu de leur cœur, mais souvent aux garçons de leur entourage. On offre traditionnellement des chocolats, et plus la boîte est fournie, plus on a d'affection pour la personne à qui on l'offre. Le plus symbolique de tous étant le chocolat fait maison qu'on offre uniquement à l'être aimé. Aimé, oh oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh, comme c'est joli. C'est un gâchapon ou... C'est le gâchapon. On commence avec un qualité. Les amis, j'ai hésité. Je me suis dit, peut-être un vrai, c'est peut-être un... Non, c'est un gâchapon. Avec la petite chaîne, c'est un gâchapon. C'est un gâteau moelleux. On dirait qu'il sort du four. C'est génial. Bon, sauf qu'il brûle pas. C'est génial, ça commence bien. Un petit umaibo. Petit cadrage, hein. Puisqu'on m'a dit une fois, toi, tu cadres mal. Et hein, là, c'est cadré, là. Hein. Là, c'est cadré, tu le sens, mon cadrage. Hein. Pardon. Bon, petit Umaibo choco, choco fraise, peut-être, je pense. Je pense que ça va être une très belle box chocolat. Love. Hello. Exciting and new. Allez, on va continuer. Donc, ça a l'air d'être le do-it-yourself. Donc, je vous laisse regarder. Tac, 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 tac. Voilà. Un do-it-yourself qualitatif. Des petits bonbons à la gomme. Oh, des petits gommes. C'est de la fraise. Oh, le fruit de l'amour. De la fruit de l'amour, ma meute. D'ailleurs, vous voyez le symbole, là, ça fait bien le cœur. Voilà. Oh, regarde ça. Des petits bandes d'amour. Des petits bandes d'amour qui viennent te faire des bisous. Ah, le bisou de le panda de l'amour. Je craque. Des petites patounes de chaton. Petit. Voilà. C'est des petites patounes. Bon, des petits bonbons. Très mignon. Des petits... Ah, je pense que c'est une boîte de chewing-gum. J'ai un doute, mais je pense pas me tromper. Et allez, au pif, le parfum rose. Je suis pas sûr. Nous continuons. On continue avec... Plein de petits bonbons. Là, c'est encore la fraise, hein. Le thème, c'est la fraise. Tev, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi, sur cette box, tu nous dis « ramène ta fraise ». Voilà. Encore des petits bonbons. Et on est vraiment dans le thème. C'est vraiment de... Ah, ils m'ont tombé de la main. Les bonbons de la Saint-Valentin. Des petits cœurs. C'est tout mimi. C'est tout zouli. Voilà. Des petits bonbons dans la forme de cœur, hein, sucé. Probablement à la fraise. Ou à la rose. Ou peut-être au sakura. Ça serait cool. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que ce soit au sakura. Fasse partie des rites de Saint-Valentin. Et ben, ceux qui aiment la fraise et qui aiment la pêche, bah, vous allez en avoir. Encore un bonbon moelleux à la fraise. Miam, miam, miam. Ah, la petite chocolate de l'amour. Bonjour, je suis une kleine petite fille. Et pourquoi je prends l'accent allemand? Car le petit bonhomme ressemble vachement à l'ancien camarade de Tev. Dans ces aventures folles, seuls les vrais sauront. Ah, ouais, des pastilles Mintia. Alors, j'en ai encore une boîte pas loin, d'une autre livraison, mais c'est super bon, j'adore. C'est franchement c'est bon, j'adore. Je vous recommande d'en prendre. Si vous avez l'occasion de commander chez Candy-san, n'hésitez pas. Les Mintia, c'est ultra bon.
Voilà, ça, c'est celui que j'avais. Alors, très bon. Sur du longtemps, super goût. Franchement, n'hésitez pas. Très bon, très bon, très bon, très bon. Je fais même de la pub pour les produits qui ne sont plus en vente sur Candysan. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, 10 petites biscuits. Ya, yeah, 10 petites biscuits à la crème. Je ne sais pas pourquoi je fais l'accent allemand avec la voix de Klaus, le poisson rouge. Mais voilà, ce sont des petits biscuits à la crème. Ça a l'air super, super bon. Ça a l'air que ça durera pas longtemps. Oh, celui-là, ils aiment bien le mettre dans la box. Hein. Ah bah oui, voilà, c'est des biscuits. C'est une boîte de biscuits Chin-Chan avec plein d'autocollants. Et puis, un petit gros dinosaure. Bonjour, je suis un gros dinosaure et je vous apporte des biscuits. Voilà. Et on finit avec une boîte. Encore de la fraise et du chocolat. C'est le thème. Choco-fraise. Ceux qui aiment le chocolat, vous êtes gagnants. Ceux qui, aiment la fraise, c'est super. Ceux qui aiment le chocolat et la fraise, c'est nickel. Et bien voilà. C'est tout pour cet unboxing. C'est déjà fini. Voilà. Même si, bon, bah, pour la maîtrise de la caméra, il va falloir que je lui apprenne 2-3 petites choses à la petite babite. Maintenant, je vais mettre très rapidement tout ça en ligne. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Cliquez sur la petite cloche, là, ici. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, etc. Il y a un concours actuellement. Le lien devrait apparaître quelque part sur la vidéo, dans un coin, à un moment ou un autre, par ici ou là. Hein. Débrouillez-vous, vous êtes grand. C'est un concours Dragon Ball Z sur des petits joujoux que j'achète chez Candysan, c'est-à-dire des straps Dragon Ball, super. C'était la Candysan Box 2019, c'était super. Content de pouvoir à nouveau avec vous partager ces petites choses. Et ce petit gachapon de l'amour, là, c'est... Voilà. J'adore. On dirait du vrai, vraiment. C'est tout moelleux. Allez, fin de la vidéo pour aujourd'hui. À tout bientôt.